La mission d'observation électorale de l'Union européenne aussi salue le déroulement du scrutin présidentiel. Et pour préserver ce climat apaisé, elle souhaite une publication rapide des résultats du premier tour. Aline Badara Khan nous en dit un peu plus. En toute liberté, ils ont pu se déplacer et constater sur le terrain le déroulement du processus électoral. Les 90 observateurs de l'Union européenne dressent leur premier constat. Ils saluent la bonne collaboration des autorités et la maturité du peuple sénégalais durant le premier tour de la présidentielle. Nous avons pu travailler, nous 90 observateurs, avec les autorités sénégalaises de façon très très constructive et cordiale. Dans la longue histoire des missions d'observation de l'Union européenne, il est rare de trouver une telle qualité de coopération et de dialogue avec les instances concernées par les élections. Cette coopération, nous espérons la continuer dans le même esprit pendant la campagne pour le deuxième tour de ces élections qui se profilent. Néanmoins, la vigilance reste de mise. L'Union européenne souhaite une publication rapide des résultats pour éviter toute suspicion. Cela permettrait de renforcer la sérénité des différents acteurs. Les résultats provisoires ne sont pas encore connus, ce qui est tout à fait regrettable car le manque d'informations ne fait qu'alimenter la tension et la suspicion. L'administration électorale gagnerait en transparence en procédant plus largement à la mise en ligne des informations dont elle dispose en temps réel. La mission d'observation électorale de l'Union européenne est présente au Sénégal depuis le 20 janvier 2020.